Chers auditeurs auditrices de la radio des Sans Voix, bienvenue dans votre émission Les Artisans de la Paix. Aujourd'hui, on vous invite à découvrir le portrait du militante algérienne Maryem Belmehoub. Maryem Belmehoub est une importante figure des combats pour la démocratie et les droits des femmes en Algérie. Elle est également l'une des personnalités marquantes des combats actuels pour la démocratie. Elle fait partie des figures féminines emblématiques de la guerre d'indépendance en Algérie. Née en 1935 à Alger, elle est la fille d'un cheminot algérien militant de la Confédération Générale du Travail et du Parti du Peuple Algérien. À 18 ans, elle poursuivait ses études au collège Pasteur à Alger où sur un effectif de 350 filles, elle était à peine 50 algériennes. Elle s'apprêtait à passer son bac. C'est dire que tout appartenait à une minorité arrogante et que la majorité des Algériens étaient privés des droits les plus élémentaires comme celui relatif à l'instruction et à l'éducation. Son père était déjà syndicaliste, elle aidait à rédiger des plaintes qu'il recevait. C'est comme cela qu'elle a connu davantage les inégalités dont souffraient les Algériens. Dès 1955, étudiante, elle s'engage dans le Front de Libération Nationale et dans l'Armée de Libération Nationale, créée l'un et l'autre peu de temps auparavant. En 1956, elle rejoint le maquis répondant à un appel en ce sens du FLN vers les étudiants et y apportant son concours comme infirmière. Elle est arrêtée en avril 1957, jugée par une juridiction d'exception, le tribunal permanent des forces armées françaises, et emprisonnée. Elle passe 5 ans en prison. Elle fut libérée en juillet 1962 dans le cadre des accords d'Ivian entre le gouvernement de la République française et le gouvernement provisoire de la République algérienne qui mettent fin à la guerre d'Algérie. En 1962, elle reprend des études en droit et sera élue comme députée durant les élections constituantes algériennes jusqu'en 1964. Elle fut membre du bureau de cette Assemblée nationale dont les femmes ne sont que 10 députées sur 196 élus où elle participe à la commission de l'éducation et de la culture. En 1964, elle quitte la politique pour le droit et épouse un ancien militant indépendiste devenu homme politique, Abdelaziz Zeddani, et devient avocate au bureau d'Alger. En tant qu'avocate, elle se fait connaître par sa défense des droits humains contre les violences policières. En octobre 1992, elle est nommée ministre conseiller pour l'affaire juridique et administrative auprès du chef et du gouvernement dans le cadre du gouvernement Abd Slam. En décembre 1997, elle est désignée comme sénatrice dans le tiers de l'effectif de cette assemblée, le Conseil de la Nation directement nommé par le président, puis en janvier 2003, elle est élue comme experte au sein de la Comité des Nations Unies contre la discrimination à l'égard des femmes CEDAW, un mandat renouvelé à plusieurs reprises. Tout au long de son parcours, elle milite également pour défendre le droit des femmes, leur représentativité dans les instances politiques ou autres et contre les discriminations qu'elles subissent. De 1963 à 1965, elle fait partie de l'Union nationale des femmes algériennes, UNFA, créée par le FLN. Dans les années 1980, elle se mobilise contre le code de la famille, s'insurgeant contre les dispositions discriminatoires de ce code envers les femmes et elle préside la délégation des femmes reçue par le président de l'Assemblée nationale algérienne.
Toujours dans cette même décennie, elle participe à la fondation de l'Association algérienne de planification familiale. Elle réagit également à plusieurs reprises contre l'insuffisance de la représentation des femmes dans la vie politique ou à la tête de différentes organisations, notamment pour l'Organisation nationale des Moudjahidines en 2012.